Gain de touche, un partout. Non mais elle, Dieu lui donne des conseils alors. Pense à ta fille. Pense à ta fille, mais c'est pas elle qui va être découpée, c'est toi. Non, mais c'est Anthony. Donc, un partout. Un moment. Et... Bon, Ragouane, la cassette est en sécurité. Bien baissé. À ton tour. Viens connaître tes ordres. Non, on va pas avant match, faut pas qu'on marche comme ça. Oh, c'est bon, maman. Bon, les enfants, votre vision, ils sont cachés. Parfait. Le mauvais Nous allons voir maintenant la manœuvre qui s'appelle le rouleau compresseur. Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a fait la ligne. Comment ça, il y a fait la ligne là-bas? Pourquoi il y a fait la ligne? Il y a beaucoup de choses. Quoi? On a un problème. Votre messager là, ils ont emmené le trésor, regardez ce qu'ils m'emmènent. Heureusement que je vérifie là. C'est des gadins? Oui. Non mais c'est bon. Tout c'est des gadins, la voix, le trésor a disparu, elle passe à des gadins. Ah oui, t'as pas vu l'image de la quoi. Ah non. C'est Lionel. Il est où Lionel? Il est là Lionel. Chopez-moi Lionel. Regarde, à ce qu'on est pas croisé là. Chopez-moi. Non, regarde. Fais venir tout le monde. Allez, encore Lionel. Lionel au Seigneur. Fais sortir tout le monde. Allez, vas-y, c'est Arc alors. La justice seigneuriale doit s'appliquer. Amène au Seigneur. Pourquoi il y a des gadins? Eh bien, parce qu'on va demander à Lionel. Regarde, je tirais du trésor. Je lui confie la cassette, il me ramène ça. Calme-toi, prends tes gouttes. Bon, on va demander à Lionel s'il a une très bonne explication. On va attendre que la populace s'avance. La populace! Viens voir ici, on a besoin de vous comme témoin. Tout jugement nécessite témoin. Vote! 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 Vote!
Changez. T'es tout seul? Bah toi, contre moi. Ah, je vais te massacrer. Tu vas mourir. Ah, t'as peur, hein? Motivez votre armée! Silence! Il n'y aura pas de bataille!
Mais enfin, réfléchissez deux minutes, si vous faites du bruit, vous ne le faites pas. Est-ce que vous savez ce que c'est de vous taire pendant au moins 10 ans? J'ai l'impression que vous êtes tous complètement débile. Ou alors vous êtes dur d'oreille, ou alors vous ne comprenez pas le français. Vous n'êtes pas capable de ne pas parler pendant quelques secondes, c'est pas un signe d'intelligence. Alors montrez à tout le monde que vous êtes intelligent, sinon vous allez rester une demi-heure comme ça, moi ça ne me gêne pas, mais ça serait dommage. J'ai pas besoin de papoter à chaque fois. Oh, le groupe là-bas, vous voulez mon pied au cul? En plus, il est pointu. Bien. Pendant la bataille, il y a un mot que vous allez entendre. C'est le mot halte. Quand vous entendrez le mot halte, vous vous arrêtez. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a quoi qui a fusé en fait? Et il fait le plus longtemps comme ça, ils comprendront peut-être. Haute, haute, haute. Vas-y, vas-y. Tenez, regardez la ligne, hein, je vous rappelle, les mêmes ordres, c'est bien ce que ça veut dire. Ils se sont déplacés sans tenir, regardez la ligne. Et ils ne sont plus en ligne du tout, là. Donc, faut être très arrêté, c'est quoi ce moment? Attention, il y a ton corps.
Allez, t'es pas mort encore. Eh, Marie, on promet là. Hop. Ouais, meurs dans l'air, c'est bien. Il y en a qui sont morts comme dans les films, avec une petite épée jetée au côté. Il y en a plein qui sont morts comme à la plage. Ça va, tu as un parasol en plus, un peu du solaire, toutes les meilleures entre-temps. Bon, c'est beau que maintenant arrive le meilleur moment de la bataille. Parce que maintenant arrive le temps. On reprend les lignes de départ. Bon, est-ce que c'était compliqué? Non. Eh ben, on recommence. Haute, 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 pas oui. On fait quoi? Là vous êtes prêts? Eh bien, changez! J'ai peur. Frédéric, est-ce que tu as un truc toi aussi qui immortalise? Oui. Va te chercher. Ah non, pitié. Retourne-toi et regarde-moi. C'est quoi ton prénom? Justine. Justine, tu tiens ton arme comme ça. On va pas se battre. Par contre, à un moment, Mario et Frédéric, ils vont faire des photos en gros plan de ton visage. C'est parce que si je me rate, c'est pour la chirurgie reconstructive. Donc tu sauras qu'il faut faire des photos. Oui, oui. À partir de maintenant, je ne veux plus entendre ça. Je ne veux plus voir ça.
Ce que vous allez faire, vous allez armer cette attaque. Vous allez déclencher cette attaque. Mais avant d'écraser votre arme sur la tête de votre partenaire, vous allez vous arrêter sans que je dise halte. Ça fait un truc comme ça. Tu sais qu'on est censé faire en même temps. D'accord. On recommence. Ça fait un truc comme ça. On s'arrête bien là. Pas là. Et c'est là où j'ai besoin de... Hein. Et lorsque, on recommence, lorsque vous aurez fait ceci, vous déclenchez votre plus horrible grimace. Ça fait un truc comme ça. Ouh, c'est pas mal. Je pense que tu peux faire mieux. Vas-y, refais toute seule. Tu refais la grimace? Ouais. Alors, un conseil, fais du bruit en plus. Ok, d'accord. Vas-y, refais. Et bave. Si tu fais du bruit et que tu baves, les gens vont trouver ça horrible. Ça ira? Ouais, non, ça ira. Bon, je te remercie, retourne dans les rangs. Ah. C'est bon, t'as tes dossiers. Bon! Ça va être un bien. Pas de combat! Oui, la fille. Pas de bataille! Juste! Une charge! Une frappe! Une horrible grimace! Attention! Je vérifie les grimaces! Attention! Comme vous avez pu voir, il y a quelques paparazzis! Chargez! Bah ouais, j'ai réussi, hein, là c'est bon. Bon allez, j'accepte. Très belle grimace, bon modèle. Ouais, non, ça va. Allez, une grimace. C'est bien, c'est parfait. Une grimace. Ouais, non, c'est bon, c'est bien, c'est parfait.